Anatherite reproduction of all or any part of this product, and the anatherite use of registered trademarks are likely to constitute a criminal offense. Oh, oh, ce n'est pas gentil. Ah, télégames, des jeux sur la télé, peut-être même des jeux en vidéo. Oh, des jeux vidéo. Et Volgamus, eh bien, s'il vole en étant un jeu qu'il vole de ses propres ailes. Oh, 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 oh. Ah, voici cette belle musique. Vous ne l'entendez pas? Mais si, c'est ma chanson préférée de Noël en 8 bits. Attention, ce n'est pas une musique octopénienne, c'est une musique en mode chiptune, comme disent les enfants maintenant. Oh, 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 salut les nouilles, c'est Yenoul, et bienvenue dans la saga jeux vidéo ludiques polygonales sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé la vieille Station. Et aujourd'hui, remercions tous les petits lutins qui apparaissent à l'écran, qui vont permettre de vous montrer en image ce qu'il s'est passé le soir de ce Noël. Et il y avait du pain sur la planche. Comme vous le voyez, Santa Claus saves the Earth, ce qui veut dire « Père Noël, c'est moi, à sauver la Terre ». C'était il n'y a pas longtemps, le 24 décembre. Ah, plus qu'un jour avant Noël, des milliers d'enfants sont en train d'attendre le Père Noël. Et pendant ce temps, il y avait une vilaine fée qui s'appelait Nilam et qui voulait tout dans le monde. Ah, je m'en souviens. Aujourd'hui, elle s'est dit que elle piquerait tous les présents et les cadeaux des enfants et qu'elle se les prendrait juste pour elle. Et ça, ce n'est pas gentil, parce que le Père Noël, il est là pour offrir des cadeaux pour tous les enfants. Mais comment c'est possible? Eh bien, regardez cette illustration. La fée Nilam m'a mis un sort et elle m'a piégé dans ses terres magiques. Alors qu'il ne restait plus que quelques heures avant que Noël arrive. Et voici le début de mes aventures. Certains diront que ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Mais c'est comme si c'était hier, car Noël arrive chaque année, évidemment. Si nous comptons ce conte en jeu vidéo, comptez sur moi. Me voici avec ma belle bedaine, ma belle barbe et mon bon costume rouge. Je saute haut dans cette représentation. Et oui, il y avait du pain sur la planche et il y avait des embûches. Heureusement que j'avais sur moi ma hotte sur le dos et je pouvais lancer des pierres et des tomates. Vous le savez, je vais dans les cheminées, je monte sur les toits, donc je peux aussi me déplacer sur les échelles, bien évidemment. Mais cette vilaine fée, alors que moi, je suis le Père Noël, je vais gentiment donner des cadeaux aux enfants, eh bien cette vilaine, elle m'a mis sur son passage des ennemis méchants. Il y a des ennemis rampants, il y a des ennemis volants. Heureusement, même si ça fait un peu mal, que ça fait mal au cœur, comme on peut le voir en haut à droite de l'écran, j'ai sur moi 4 coups que je puisse prendre. Heureusement, il y a, au fur et à mesure, des êtres gentils, peut-être des reines, peut-être des lutins, qui me laissent ça et là, ce qu'on peut appeler des kits médicaux. Des medikits, avec ses valises, avec la croix rouge qui tourne. Il y avait aussi des méchants avec des grosses gourdes sur le dos. Ce n'est pas une hotte, mais c'est un gourdin. Et bien avec ces massues, je leur mets des coups de hotte sur la tronche. Il y avait des télés aussi. Je me demandais bien si je pouvais les taper pour voir ce qu'il y avait dedans. Peut-être un de ces cadeaux qui m'ont été volés. Mais pas moi, pour les enfants. Regardez tous ces pièges qui sont là. Il y a des créatures, il y a aussi des pics. Ça, c'est pas bien. Il n'y a pas que les coups de hotte. Je peux lancer des pierres et je peux également me baisser
pour balancer les pierres en bas et regarder en l'air pour balancer les pierres vers le ciel. C'est bien fait. Moi aussi, je peux essayer d'esquiver des choses, des ennemis, des obstacles, des pics. Et je peux sauter très haut. Enfin, pour mon grand âge, évidemment. On va arrêter de se faire taper dessus et on va essayer de monter dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que ces objets qui tournent en l'air? Il y a des cadettes pour récupérer un peu plus de cailloux pour pouvoir se protéger. Il y a aussi des boîtes de tomates, mais ce n'est pas de la sauce bolognaise. Non, non, non. C'est pour récupérer d'autres tomates pourries pour balancer sur les mauvaises créatures. Je viens de récupérer une pyramide. Oui, une pyramide jaune. Peut-être que ça débloquera plus tard. Une porte avec une serrure jaune. J'essaie de monter comme dans le conduit d'une cheminée, mais je crois que mes gambettes ne m'y amènent pas si haut. On va essayer de se défaire de cette méchante panthère. Mais je suis bien trop court. Peut-être aurais-je besoin d'un pouvoir plus tard. Peut-être aurais-je besoin également d'un petit support, comme maintenant. Peut-être que si je revenais sur mes pas, j'en saurais un peu plus. Et hop, on se serre de ses bras pour pas se faire piquer les fesses. Parce que si on se fait piquer les fesses, on peut se faire piquer le dos. Et si on se fait piquer le dos, on a tendance à se faire déchirer la hotte. Et plus de cadeaux pour les enfants. Et ça, je ne veux pas. Surtout pour le jour de Noël. Ce serait fâcheux. Surtout qu'il y a du pain sur la planche. Les reines pourraient m'aider. Mais je fais tout seul. J'ai été emprisonné en solitaire. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des entonnoirs qui me crachent dessus. Eh bien, j'essaie de m'en aller, d'aller le plus haut, rejoindre le ciel, car je suis emprisonné dans des magiques terres mais souterraines. Oh, voici que ma tenue clignote. Elle clignote de rouge et de bleu. Il ne manque plus que le vert pour faire Saint-Nicolas. Je crois que je viens d'activer deux interrupteurs en allant vers le haut. Si vous vouliez me manipuler comme un jeu vidéo, il aurait fallu appuyer sur des flèches directionnelles. Et pour activer, appuyez sur la flèche du haut, comme pour me faire sauter. Je ne suis pas une crêpe, mais on peut appuyer sur la touche croix de la manette pour me voir sauter dans cette représentation de Noël. Faites en jeu vidéo. Et pour des projectiles, pour faire des attaques, il faudrait appuyer sur carré. Mais je peux changer depuis ma hotte, depuis ma pierre et depuis ma tomate si on appuyait sur les touches L1 et R1. Mais ça, c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas ce que nous voyons à l'écran. Je suis désormais tout en haut du niveau. Je suis tout en haut, j'essaie de m'agripper et je me dis peut-être que ce qui me sert à sauter, si je l'enfonçais encore plus, eh bien ça me permettrait de m'agripper. Eh bien, c'est le cas. En effet, si on appuie sur croix pour me faire sauter, il faudrait enfoncer la touche croix pour rester agrippé au niveau des objets et des rampes à prendre par les bras. Ah, ça en fait des pouvoirs magiques. Mais ce n'était que le début de mes aventures. Ou plutôt, je me plais pas mal à l'écran. C'est vrai. Il a encore de l'énergie, ce gaillard. Oh, cela a dû faire mal. Heureusement que les trousses de santé sont là, disséminées au fur et à mesure de mes épreuves et des ébauches, évidemment. La musique s'est arrêtée. Pourtant, moi, je l'aimais bien, moi, pour faire une illustration. Je suis en train de chuter lourdement. Oui, oui, oui. Oh ! La fée m'a désintégré. Mais est-ce une bonne raison pour s'arrêter là ? Bien sûr que non. On ne vit que deux fois. Game over, je ne sais pas ce que ça veut dire. Game over, non plus. On reprend depuis le début et on va tenter de se libérer. Des enfants comptent sur nous. Il ne reste plus que quelques heures avant de distribuer et de célébrer tout ça. L'avantage, c'est que nous connaissons déjà tous les rouages de
de ce niveau et de ce lieu. Il va falloir récupérer les pyramides. Il va falloir réactiver les interrupteurs. Il va falloir se débarrasser de toutes ces créatures. Vous avez remarqué ? J'ai ma hotte qui est en vert en haut de l'écran. J'ai mes pierres qui sont matérialisées en bleu ou en gris en haut de l'écran. Et une tomate, ou plutôt plein de tomates. Oh 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 oh, oh purée, oh oh oh. Eh bien, les tomates servent pour faire des projectiles rapides, faibles, mais de loin. Les pierres sont aussi des projectiles, mais qui sont plus puissants. Et enfin, lorsque je n'ai plus rien dans mon sac, je me sers directement de mon sac. Et paf, plus d'un tour dans son sac, le Papa Noël. Oh 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 oh. Maintenant que tout est propre, il faudra revenir ici, qui sera très certainement une des deux fins du niveau. On a vu une serrure rouge, et nous avons vu la pyramide rouge qui est juste là. Assez difficile à avoir, assez difficile à atteindre, mais très certainement que l'on va trouver le comment du pourquoi. Ou le pourquoi du comment. À mon grand âge, je ne me rappelle plus de ces expressions. Déjà, il faut se mettre à la page et à jour pour chaque nouvelle sortie, car les demandes sur les lettres du Père Noël, elles sont parfois difficiles à déchiffrer. C'est que les générations et les modes changent très rapidement d'une année sur l'autre. Il ne faut pas rester rouillé et se mettre toujours à la page. Ou plutôt, scroller à la page. Il n'y a pas que les vieux qui scrollent, évidemment. Les anciens aussi, sur des parchemins à l'ancienne. Eh oui, comme on fait en bord de ciel. Ah tiens, je me rappelle de cette petite boîte bleue qui tourne. Ça me permettait de clignoter mon costume en bleu et en rouge. Ah ah ah, je ne sais pas ce que les concepteurs ont fait à ce moment-là. Peut-être qu'ils confondaient la couleur bleue et verte. Je ne sais pas. En tout cas, ça me permet de me sentir beaucoup plus léger. Oh, je saute beaucoup plus haut. Peut-être est-ce le changement de ce bonus et de cette boîte. Ça change aussi la musique. Moi, j'aimais bien le Jingle Bells. Le Jingle Bells qu'on a eu au tout début de raconter cette aventure. Je vais me mettre sur l'échelle. J'essaie d'esquiver les ennemis. Car il faut encore que je compte mes tomates et mes petits cailloux. Peut-être que c'est un autre jeu. Pierre, feuille, ciseaux. Maintenant, sac, pierre, tomate. Je ne sais pas comment cela se jouerait. En tout cas, je me suis bien entraîné. Et il a fallu faire beaucoup de sport. Même si ça ne se voit peut-être pas. Parce que je tiens à ma carrure. Je fais beaucoup de sport. Du sport. Bien sûr, de conduite, avec mon traîneau tiré par mes rênes, Rudolf qui a son nez rouge. Pas que tu, par rapport à ses capacités physiques, j'ai l'impression qu'il a peut-être abusé sur la tomate également. D'ailleurs, je vais en prendre quelques boîtes. Eh ben quoi, pourquoi pas? Ça me permet de me défendre. Je n'y vois pas grand-chose devant moi, mais tant que mes bras me tiennent, tout va bien. Oh! Mais quelle était cette créature? Nous l'avions déjà vue, c'est vrai. Oh, encore une boîte bleue en haut. J'aurais peut-être dû m'accrocher un peu avant. Mais nous n'avons pas encore vu ce qu'il y avait au bout de cette corde. Je vais me laisser tomber. Oui. Oh, mais cela me rappelle encore autre chose. C'est là où nous avions échoué tout à l'heure. Mais alors, nous n'avons plus échoué. Nous sommes bien plus devant que tout à l'heure. Il n'y avait qu'un entonnoir, là, il y en a deux. Il y a d'autres créatures. Il va falloir s'en débarrasser. Ne vous inquiétez pas. Je ne les tue pas. Je ne peux pas tuer. Je ne ferai aucun mal à une mouche, même de Noël. Alors que faire? Eh bien, je renlève leur sort. Le sort qui m'a condamné, comme moi, dans ces terres magiques. Voici la serrure. Elle est jaune. Et si je me rappelle bien, il y avait une pyramide jaune où nous avions
récupérer, mais ça c'était avant de se faire désintégrer par les pics. Peut-être que cette échelle m'amènera en arrière. Et hop, je saute. Ah, c'est ça l'esprit de Noël. Même si on échoue, il faut apprendre. C'est toujours une leçon, jamais un défaitisme. Et ensuite, hop, on récupère ce qu'on avait besoin. Eh bien, il n'y a plus qu'à rebrousser chemin. Mais le problème, c'est que nous sommes passés par en haut, et là, nous sommes en bas. Il va falloir refaire le même chemin. Ça risque d'être long, et ce n'était que le début de mes aventures. Oh, 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 imaginez s'il y avait d'autres niveaux. Ouais. Bon. Eh ben, ça va pas me faire sortir de là, tout ça. Hop ! On attend gentiment la plateforme. D'ailleurs, si c'était un jeu vidéo, on pourrait dire que ce serait un jeu vidéo de plateforme. Et en deux dimensions, car cela n'a pas bougé depuis le début, des images de mon aventure. Heureusement que tout ça était bien animé. Tout cela est aussi très charmant et se déplace de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. On parlait de scroll tout à l'heure. Peut-être que c'est un scrolling horizontal, scrolling vertical. En tout cas, c'était très très bien imbriqué. Un sentiment de déjà vu. C'est normal. C'est déjà la troisième fois que l'on passe par ici. Et que l'on repassera par là. En tout cas, vous pouvez voir également en haut de l'écran à gauche qu'il y a des tubes à essais. Rien à voir avec les essais rugby, bien entendu. Je suis encore en train de clignoter et de sauter encore plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oh, et je tombe inlassablement. Oh, je me suis récupéré. Je ne me rappelais plus de ça. Par contre, il faut faire attention là où on atterrit, parce que ça peut toujours faire mal. Oh non. Oh non, ne dites pas que... Ah, c'est bon. Quelle déchéance. C'est aussi ça, la magie de Noël. Nous avions failli être juste au bout. Et finalement, un petit poids venant d'un entonnoir magique du plafond nous a percuté et nous a fait tomber. Pour recommencer encore une fois. Eh bien, au niveau de ces commentaires, nous ne pourrons pas aller bien loin. Il n'y aura pas non plus grand inédit. Nous pouvons juste dire que nous sommes en train de parcourir encore et encore les... L'un ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne me vois plus. Oh, mais c'est un passage secret. Eh bien, c'est aussi ça, la magie de Noël. Nous pouvons inlassablement refaire et refaire les mêmes Noëls chaque année. Ce ne sera toujours des fêtes uniques. Ah ! Et si tout cela n'avait pas eu lieu ? Et si tout cela n'était pas une célébration d'un petit enfant né, d'une vierge enceinte, mis au monde par une colombe dans l'oreille ? On n'en serait pas là avec des publicités tout de rouge vêtu avec Coca-Cola. Ah, la magie de Noël. La fête où l'on fait des cadeaux. Et vous savez quoi? Partout dans le monde. Oui, même ceux qui n'adoptent pas cette religion au départ en profitent pour se faire des cadeaux. Et moi, ça me coûte en plus dans le traîneau. Ben oui, c'est Bibi qui porte les cadeaux sur le dos et qui se tape une scoliose depuis plus de 100 ans, c'est le Père Noël. Mais que vaut une scoliose face au sourire et au rire des enfants? Sage, attention, sage comme une image. En plus, je gagne des verres de lait et des cookies tous les soirs. Alors, ça vaut quand même le coup de glander 364 jours dans l'année et se mettre la rate au gros bouillon un soir. Avec le décalage horaire, ça fait même un gros soir. Ça fait une belle journée. Je suis sur les rotules. C'est pour ça que j'ai dû attendre et faire une pause. Mais cette pause,
Indiquez aussi pour vous qui regardez et qui écoutez depuis le début de raconter mes aventures que la clé jaune était bien une clé, la pyramide, en forme de triangle, comme on peut voir sur une manette de PlayStation, par exemple. Mais le triangle n'est pas jaune, il est vert. Et ça a permis d'ouvrir une porte vers ma liberté. Mais non, ça me donnait la porte vers la seconde clé. Si vous avez vu au passage, il y a 3 clés de disponibles. Là-dedans, dans ce lieu qu'on peut appeler ce niveau 1. Mais heureusement, nous avons vu que l'heure tourne, que Noël approche ou approchait à grands pas. Puisque rappelons-le, Noël est passé. Ou alors, soit nous sommes en retard par rapport au Noël passé, soit nous sommes vraiment en avance pour celui à venir. Car comptez sur moi, mes petites pattes, j'espère que je ne me trompe pas en disant cela. Nous sommes en intérim. Eh bien, j'espère que ça vous plaira, car nous sommes très proches de notre liberté. Nous avons notre pyramide rouge en poche. Et la magie de Noël ouvre la porte vers la fin de la captivité. Et j'ai enfin pu commencer à distribuer les cadeaux que vous avez reçus. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté ce magnifique récit. Je vous dis matinée pour certains. Je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis tchao, ho, ho, ho.